Eh bien, salut à tous, on est avec Esprit Dead pour Salut! l'épisode 3 de Outlast 2. Outlast. Oh oui, génial. Alors, dans le dernier épisode, il y a eu beaucoup de choses. On s'est fait complètement agresser par des hommes dans les cages, une femme s'est faite violer, une femme s'est faite arracher son bébé, nous-mêmes on s'est fait violer. Ouais, Voilà, on s'est fait violer, on va dire ça. ouais. Wow! Et voilà, donc moi j'ai envie d'aller plus loin dans cette horreur. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai déjà Du poursuivi, coup, moi. apparemment. Ça va? Ouais, y'a un mec. Ah ouais, je vois. Là. Il devrait y avoir des chrétiens et une autre chose. Oh, c'était moi qui m'en vais. Je suppose qu'on respire indéfiniment sous l'eau. J'imagine. Je sais pas trop où je vais là. J'ai l'impression de faire du sur place. Moi aussi, je sais pas où je dois aller. Je rentre dans une maison là. J'ai verrouillé. De me rapprocher doucement ah de la maison. Voilà, je suis dans la deuxième maison. Ah, il part. Il s'en va, le gars. Il y a un gars qui est juste à côté de ma porte. Ah, mais ils sont deux? Ouais. Cœur de Dieu, Pâques païenne. Oh! Cinématique. T'en es oh, où? What? Je suis entré dans la maison tout au bout. Quoi? Le cœur. Fils de pute, fils de pute! Notre cœur est souffrant! Des piles. Vous avez brisé sa volonté. L'agonie de la croix. Putain, j'ai pas de pile. J'ai pas de pile. Je mine dans la mer. Hein. Non. J'aime pas cette guerre. Ah ça va? C'est ça qu'on fait pour sûr! Je suis le seul à avoir des. Allez, cours, 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 cours! Allez, saute! Je veux le pile. Wow! Wow, what? Je suis dans une classe, mec. Oh! Pars, pars! Dégage! De quoi? Qu'est-ce que. Mec, ouais, toi aussi, t'es dans l'école. Ouais, j'y suis aussi. Je comprends rien. J'ai perdu la tête. Perdu la tête. Ah, hein. il veut pas se barrer. Carrément qu'il a perdu la tête, lui. Oh non, c'est quoi cette musique là? Elle me rassure absolument pas. Oui. Non, dégage. Jessica. Eh, y'a un rapport avec Jessica là, c'est pas possible. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Oh, mais c'est horrible, mon gars. Pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. C'est atroce. Je suis tellement désolé, Jessica. Oh!
Jessica. C'est quoi? Eileen. Quand nous étions... La classe de musique. Oh, putain. Oh merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Les autres au quatrième. Qu'est-ce que c'est que cette école à la con? Je sais pas où je vais, moi je vais vers responsibility là. Wow, wow, what the fuck là? Si. Pas. S'il vous plaît. Oh lol. Monsieur. Ah. Oh! Putain, mais on voit rien! On voit pas à 10 mètres. Enfin, tu me diras, on voit pas à 3 mètres non plus. Putain, il en fait froid. Hein. Batters! Y'a un monsieur devant moi là! Toi aussi? Moi je suis. Partir d'ici, moi je... Oh, what? Oh. Allez, va-t'en, 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 va-t'en. Ah. C'est des hallucinations, ça... C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il ait des lunettes? Ça va se repérer. Quelqu'un de gentil. Putain, je vois rien, mon gars. Je suis des traces de sang là, j'ai l'impression. Ah ouais. God damn it. Encore ses lunettes là, il est énervant hein. Hein? Il a encore perdu ses lunettes. Salut. Ah ouais. Attends, il y a un mec étranger. Ouais, je suis là aussi. De Blotte. Ils vous ont tué, pas vrai? Non, ils m'ont pas tué. Non. Ah. Pas encore. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Ouais, c'est rassurant. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Ethan. Êtes-vous l'un d'eux? Oh non. Mais ça va. Quel temps êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Oui, c'est horrible ce qu'il raconte, le gars. Je suis. Ouais. Encore un pas être. Bien. Mais c'est bien. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres. Mais tu survis dans la forêt quand un vrai, quand un vieil hermite magnifique. J'ai rien dit quand ma femme a eu la gale. La gale. Ah oui, je sais. Un gars gentil qui survit dans la forêt comme un vieil hermite, je sais qui c'est. C'est couché sur ma petite. C'est truc là, l'énergie de l'homme vert et un enchanteur. Je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille. Il ressemble un petit peu. Je devais être l'antéchrist. J'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Magnifique doublage. Éventrer et tuer l'enfant. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Cento. Quoi? Votre fille. Elle était... On sent la foi. Attends. Des cheveux blonds, coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Attends, je vais te filmer un petit peu. C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie, monsieur. Si vous voulez bien proposer un café et des piles, moi ça m'arrange. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Oula. Venez, vous feriez mieux d'entrer. D'accord, je rentre. J'ai peur qu'il soit pas si gentil que ça. Vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Ouais, j'aime ça. Ça va aller. J'ai descendez dans la cave. J'ai un lit à la cave. Dans la cave? J'ai toujours rêvé d'aller là. Jusqu'à ce que vous alliez mieux. C'est mon petit trip, moi, le lit dans la cave. Avec une trappe en bois, là, Evil Dead. Tout va bien. À fond. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Bon, bah.
Je suppose que je dois te faire confiance. On n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. Bon, dormir. T'as déjà dormi, toi? Non. Ah, vas-y, quand tu veux pour dormir. Ah, un bandage. Impossible de porter plus de bandages. Vas-y, on dort ou quoi? Ouais. Ok. Je me couche. On dort tout le monde. Et en vrai, moi je dormirais même pas là, tu sais quoi, je préférerais crever. À fond, hein. Enfin, il n'a pas l'air méchant, mais. Ouais, quand même, hein. Dans ces histoires-là, il n'y a jamais de gentil. Ouais, il est tout seul. Mec, il a éventré sa fille là, ou je sais pas trop quoi là. Ouais, je sais. Elle va bien, elle va bien. Elle s'est remise de son traumatisme. Où es-tu? Je suis dans une cave. J'ai peur. Encore ça? Il arrive. Ah ouais, c'est ce qu'on avait vu au début. Il est ici. Oh, mais c'est... Il vient de voir le vieux qui arrive. Je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien les... Ah non, il y a l'autre. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. La putain. J'ai d'autres hérétiques à l'échapper. Dieu, ils ont pris une vieille qui a fumé toute sa vie. Oh, oh. Donc elle est méchante. Tu as péché lorsque tu as refusé ta fille au prophète. Tu as péché depuis pour le nier. Je t'en prie, laisse-moi parler à Nat. Où est l'étranger? C'est ce mensonge a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nat, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Oh, oh, oh. Bouge pas. Ils sont gentils les chrétiens, j'adore ça moi. Une belle critique du jeu. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je parie qu'il y a 12 chats chez Z. Oh. Ouais. Ah. Ton du diable. Eh, va-t'en. Oh, j'ai vu. J'ai vu sa culotte. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Quel bâtard. On peut pas encore dormir un petit peu. Genre juste un petit peu. C'est ça, en fait, moi en vrai je reste là, il est en sécurité. Oh bah ouais. Encore plus discret, ça existe pas. Oh! Ah bah attends, vas-y je filme. Ah putain, ça filme vraiment en plus. Même si. Merci. Eh, j'avoue, merci. Il était vraiment gentil, mon gars. Ouais. Attends, je me couche un peu sur lui. Voilà, il m'a quand même aidé, quoi, tu vois. Ah. Ouh. Oh. 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 Non, mais non. Oh. Ah. Gore, mon gars. Ah. Ah là, je suis requinqué là. Ah, il y a une batterie dans la maison. Batteries. À droite de la porte. Vas-y, je sors. Une belle bouche. Hein. Belle bouche, et Dora. Tu l'as trouvé où la batterie? À droite de la porte. Là, je suis sorti. Je reste dans la lumière. Je pense que la vieille est tout près. Ah, j'imagine. Bon, je vais laisser la porte ouverte, hein, on sait jamais. Y'a une lumière là? Un banjo, moi j'en vois bien le banjo. J'ai vu, il y a un portail. On va essayer de l'ouvrir. Ça se ferme aussi. C'est bleu. Ok, ben il y a qu'un seul chemin. Il y a un baril là déjà. Moi j'aime pas me cacher, je préfère foncer dans le tas. Bah moi je me cache tout le temps. Il y a plusieurs barils. Ah! Batteries! Bien le temps de tout explorer.
J'ai l'impression qu'il faut continuer dans l'eau. Pas trop. Qu'est-ce que c'est? Oh. Encore de la lumière. Oh ah. Y'a une vieille dame. Une vieille dame. Avec tu crois pas que c'est un peu celle qui parlait comme ça? Non non, elle est en train de livrer un lieu. Elle a un livre en main là. Oh, une pile. Je l'emmerde son prophète. Et dis pas ça. Va te faire agresser par toute la communauté. Et il me veut du mal. Tu crois que je vais... Ouais. Alors dans ce cas là. Regarde, y'a des gens pendus. Ah toi, je suis pas encore là. Oh putain, merde. Oh les mains. Ah, une vieille. Fais gaffe, elle t'agresse. Faut passer discret alors. Tu veux pas avancer un peu plus vite dans l'eau? Putain, il m'énerve ces oiseaux là. Ouf, ti. Ça va? Ouais. Ah non, y'a quelqu'un dans le champ de maïs là, je sais pas trop quoi. Ah, le champ de maïs. Je crois que j'avais vu ça dans le trailer. Laisse tomber. Bordel de merde. Les piles. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Les gens, ils abandonnent quand même des piles sur les bancs. Oh, à fond. Pas très écologique, hein, ça. Pont en bois. Un pont en bois. Brûle. Ah ouais, des gens pendus. C'est quoi ce bruit? Ok, c'est... Hérétique. En gros, je sais pas comment rentrer dans le champ. Oh! Ouf. Je suis pas hérétique, moi je suis gentil. Ah là, il y a un trou. La vieille. Ouais, mais là je suis dans le champ de maïs, mec. Il y a des lumières qui me suivent. Ah, une pile. Ah non, c'est un bandage. Ah, une pile. C'est... un mot. Oh, mec, c'est dégueulasse ça. Quand même bien fait. La chapelle. Bon, j'ai deux piles. Ça devrait le faire. Allons à la chapelle. Ah, c'est toi qui as dit ça, j'ai cru que c'était perso dans le jeu. Mais allons à la chapelle. Dis quoi? Allons à la chapelle. Allons. N'est pas. On va faire une parodie, tu sais. Pas de chance. Une parodie? Ah ouais. Pourquoi pas? Putain, j'ai eu peur, je me suis collé un cactus là. Oh.
Oh, what? Va-t'en, 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 va-t'en! Ah! Non, tu m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu. Le diable lui-même doit aimer son père. Ouais, s'il vous plaît. Va-t'en, fous-moi la paix. Ayez pitié. Non, j'ai pas pitié de toi, tu. Pellac. Non, ça a l'air cosy là. On est une prison. On va rentrer. Saute, saute! Toi aussi t'as stressé quand t'as passé ça. Vraiment une saloperie. Oh! Y'a un gars! Ouais, on dirait que je marche tranquille, tu sais. Toi aussi, y'a un gars qui est venu te demander. Ouais. Il était méchant. Non. Y'a peut-être un accès dans la grange. Ça fout quand même bien à la boule. C'est genre atroce. Ah oh oh bien. Ça va. Ce qui est bien par rapport au 1, c'est que tu sais pas trop où aller. Ouais, c'est bah encore là, pire. Là, je suis mort, mec. C'est bien quand tu veux, tu récupères ta batterie. Ouais. Ouais. Y a un gars qui lit un livre là. Allez mon grand, c'est ça. On va s'enfuir. En fait, dans ce jeu, la caméra elle limite encore plus son champ de vision. Ouais. Y'a plein de trucs pour se cacher. C'est pas passé. Bon bah. Ah, j'ai pas bon là, je suis en dessous d'un camion. Un camion, tu dis? Ouais. Dans la grange? Ouais. Je sais que tu étais de moi. Merci, je viens d'y arriver. Les païens, les gentils et les pharisiens. Oh putain, ils sont deux. Wouah. J'ai vu la lumière, mon gars, fonce à me cacher. Pas, c'est pas vrai. Menteur. Bon, ça, on dirait bien que c'est par là. Batrice. Oh là 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 là. Oh. Il est sorti. Ouh. Ah, c'est pas par là. Ah, j'ai trouvé. Monte, monte. Ah ah ah. Putain, une musique de merde qui est... Ah. Et quoi, on passe par où après? Sur le côté. Ah ouais, pardon. Ouais.
pas regarder s'il y a des batteries. Je n'ai pas vu. Non, il n'y en a pas. C'est que j'avais bien vu. Voilà. Un gars qui est complètement empalé, on reste au squelette. C'est sympa, c'est, moi j'adore. Hein, ça. Ah, du coup, on va arrêter là pour ce troisième épisode. Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment une saloperie. Ouais. Et au quatrième, on tirera la chaîne. Et voilà. Parce donc, qu'il y a une sale traînée de sang là, j'aimerais bien voir un peu ce qui se passe. Ouais, moi aussi. Donc, on espère que l'agneau immolé passera une bonne soirée. Donc, et une très bonne journée, Frédéric. Bon. Du coup voilà, passez une excellente journée, excellente soirée. Salut à tous. Bonne nuit. Bonne nuit.